Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travers deux petits tutos comment réaliser des effets de typographie, soit sur une typographie, soit sur un portrait. Donc, je m'explique hein, comment euh, partir de ce mot typographie pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus graphique hein, en euh, tout simplement en récupérant euh, une suite de mots. Euh, afin de, de les insérer directement dans notre police qu'on aura créée en amont. Donc on fera ça dans un premier exemple, et puis dans un deuxième exemple, on verra comment euh, reproduire ce genre d'effet, donc comment composer un portrait euh, tout en typo. Donc là, on a récupéré un peu de matière de, de l'image d'origine, mais euh, on aurait très bien pu s'en passer. Donc voilà, je vous propose de commencer le tuto tout de suite. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo, puisque le tuto va se composer en deux parties. Donc, dans la première partie, on n'aura besoin d'aucune image, hein, mais dans la deuxième partie, on aura besoin de ces deux images. Donc on commence par créer un nouveau document. Donc on appuie sur les touches CTRL et N ou CMD et N si on est sous, sous sous Mac. Et là au niveau des paramètres euh, de largeur et de hauteur, on va se mettre un, en ratio, on va dire écran, on va se mettre en, mille, quatre, en 1920 par 1080 pixels. Et en résolution, on peut se mettre en 72 dpi. Donc après ça dépend aussi de votre résolution d'écran. Ici vous voyez que je suis en 100% vu que je suis sur un écran assez grand. Donc le format est correct. On va pouvoir prendre l'outil dégradé. Et dans un premier temps, on va venir se mettre. On va choisir une couleur assez grise. Enfin, grise foncée, on va se mettre à peu près en 34, 34, 34. Au niveau de la couleur de premier plan et au niveau de la couleur d'arrière-plan, de on ne va pas se mettre en noir vraiment 100%, on peut se mettre en, en 111, 111. Et puis, euh, on va venir sélectionner l'outil euh, ici euh, dégradé radial pour tout simplement faire un petit euh, voilà un petit arrière-plan sympathique. Donc vous prenez l'outil dégradé, vous cliquez n'importe où sur le document et vous venez étirer pour du coup euh, ét étaler, on va dire la couleur plus claire. Donc là vu qu'on s'est mis en gris plus clair au premier plan, bah forcément on va avoir euh, des euh, angles, on va dire euh, moirés et puis une couleur beaucoup plus claire au centre. Donc dès que vous avez un effet qui vous convient, c'est sympa, ben bah, vous relâchez. Donc, on va pas non plus se casser trop la tête. On va rester comme ça. On va venir prendre l'outil texte. Donc là, on peut se remettre en blanc au niveau du panel de couleurs en premier plan. Et puis, on va commencer par taper. On va taper typographie comme ceci. On va lui spécifier une police assez grasse. Donc, si vous avez de la de l'Arial ou de l'Elvitica, c'est très bien. Si vous avez une une police encore un peu plus grasse, c'est-à-dire de l'Helvetica Neu, bah vous pouvez euh, la prendre. Après, euh, on, peut jouer, on peut jouer sur la graisse. Donc, par exemple, en 87, ça me paraît pas mal. Euh, on va cliquer sur les deux petits T euh, ici pour mettre en capital. Et puis, on va appuyer sur Commande T ou CTRL T pour pouvoir venir étirer, vous voyez, comme ceci, la typographie, enfin le mot typographie. Donc on appuie sur Shift pour garder le ratio, pour pas non plus, vous voyez, écraser, éti trop étirer dans le sens de la hauteur ou de la largeur. Pour garder un ratio, on appuie sur Shift et on vient tout simplement étirer un angle à peu près comme ceci. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut même euh, jouer sur la chasse, mettre euh, une valeur négative pour rapprocher l'espacement entre les lettres. Et puis, euh, je trouve qu'on est bien ici. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre l'outil euh, Texte, une seconde fois, on va venir se positionner dans un angle tout en haut à gauche, et puis on va venir étirer notre sélection jusqu'en bas, comme ceci. Là, si on n'est pas très précis, on a juste à venir étirer notre euh, petit carré du milieu pour bien se positionner au niveau du haut du document. Pourquoi Puisque ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir ouvrir son navigateur. Et puis on va venir euh, taper lorem ipsum ou, ou juste ipsum dans google pour générer du faux texte. Donc une fois qu'on est sur le site de euh, ipsum.com, on va venir cliquer sur générer ici du paragraphe. On peut se mettre à hauteur de 5 paragraphes. On génère, on clique sur générer et on va on vient prendre un paragraphe n'importe lequel qu'on vient copier. Donc CTRL-C ou Commande C. On va venir se placer tout en haut de notre document et on va venir faire commande ou ctrl v pour coller. Ici, on peut venir spécifier une taille, enfin une graisse un peu, un peu moins grasse. On peut se mettre un truc assez... Ça, j'aime assez, c'est une police pas trop grasse. Donc du coup, on va se positionner au niveau de, du corps de la police à peu près en 15 pixels. On va double-cliquer, on va, on va, cliquer sur les deux petits T pour euh, enlever le mode capital et au niveau de l'interlignage, on va à peu près se mettre euh, à 12 ou un peu plus, 14. On est pas mal. Donc on est à 15 en, en taille de police et 14 en interlignage. Là, l'idée, ça va être venir de copier donc cette ligne, enfin ces trois lignes, et on va venir les coller. Donc pour aller plus vite, une fois qu'on en a collé 3-4, on peut refaire CTRL-A ou CMD-A pour tout sélectionner. CTRL-C, CTRL-V, voilà, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et puis on vient coller tout ça, voilà, plusieurs fois jusqu'en bas. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se positionner sur le calque typographie. On va faire Ctrl-J ou Commande-J pour le dupliquer. Du coup, le calque d'origine, on peut le masquer en cliquant sur l'œil. On se repositionne sur le calque typographie copie. Et on va faire clic droit. Et on va cliquer sur pixeliser le calque. Ce calque, on va venir le positionner au premier plan. Donc on a juste à faire un glisser déposer juste en haut. Et on va venir se positionner sur notre grand calque texte ici. Et on va venir créer un masque en cliquant juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer la sélection de typographie. Pour récupérer la sélection, on a juste appuyé sur Ctrl ou Commande si on est sur Mac et on vient cliquer sur le calque typographie copie. Vous voyez qu'ici, on récupère la sélection. Donc on fait bien attention de se mettre sur le masque ici euh, du, euh, de notre zone texte et on va venir intervertir la sélection. Alors pour intervertir une sélection, soit on clique sur sélection. Euh, intervertir ici ou sinon le raccourci clavier c'est contrôle ou commande shift et i. Donc là vous voyez qu'on a interverti la sélection. Ici on avait vraiment sélectionné que le calque typographie donc tout le lettrage et pour sélectionner euh, à l'inverse tout le fond sans sélectionner le mot typographie, on appuie sur contrôle ou commande shift et i. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une sélection globale de notre espace de travail. Maintenant, on va venir remplir ce calque de noir pour ne garder que le mot typographie. Donc pour remplir un calque, enfin un masque de noir, soit on clique sur Édition, Remplir, Couleur de premier plan et on fait OK. Soit on appuie sur Shift et la touche Retour. La touche Retour, je vous rappelle, elle est au-dessus de la touche Entrée. Et on vient bien spécifié couleur de premier plan et on fait ok. Pour désélectionner, on a juste appuyé sur CTRL ou CMD D pour venir désélectionner. Si bien que si je masque mon calque typographie copie, vous voyez que là j'ai vraiment euh, on a vraiment agi sur le sur la zone texte pour ne garder en fait que euh, le mot typographie de visible et du coup c'est pour ça qu'on a cet effet en fait de, euh, de texte qui vient se greffer sur cette sur cette police pour terminer juste cet exemple on vient rallumer le calque typographie copie et on va venir en créer un masque de crétage pour euh, du coup euh, l'associer à notre euh, calque texte donc du coup on va venir cliquer sur calque et on va venir cliquer sur créer un masque décrétage et voilà tout simplement pour masquer du coup ce calque et euh, ce qu'il est d'intéressant c'est que si maintenant on sélectionne notre calque texte on peut à tout moment venir jouer avec la taille de la typographie vous voyez Ici, on a encore 12. On peut très bien encore lui spécifier une valeur moindre et se mettre en 8. On a tout de suite quelque chose de beaucoup plus graphique. Alors, ça peut vous donner des idées hein, pour vos compositions print et web. Et surtout, l'intérêt, donc je vais augmenter légèrement pour que tout le monde se rende compte, c'est qu'on a vraiment accès constamment à ce calque et on peut venir jouer sur certains lettrages. Par exemple, si je sélectionne. Euh, un ou deux mots dans le P, je peux venir jouer avec la taille de la police, vous voyez, venir augmenter certaines lettres de temps en temps, histoire de voilà, donner euh, un peu plus de, de, de graphisme, on va dire, à, à la composition. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais euh, je trouve que c'est un effet qui est, euh, qui est assez sympathique, donc c'est bon, euh, bon de le connaître. Et voilà. Donc, dans un deuxième exemple, je vais vous montrer comment réaliser ce même effet sur un portrait. Donc, on va habiller, on va illustrer notre portrait de typographie. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de, de télécharger le fichier source, puisqu'on va venir récupérer cette image. On va l'ouvrir avec Photoshop. Voilà, donc euh, si vous trouvez que euh, l'image manque, manque un petit peu de peps, hein, rien ne vous empêche d'utiliser euh, Camera Raw. Donc en faisant filtre Camera Raw et en venant jouer un petit peu sur l'exposition, hein, puisqu'elle était un peu sous-exposée cette photo, et euh, au contraire aussi jouer sur les tons clairs, les tons foncés pour donner un peu plus de détails voyez, au niveau des cheveux. Les blancs on peut les augmenter légèrement, et du coup le contraste aussi légèrement on fait ok voilà on a tout de suite un peu plus de peps et là euh, bah, ça va être un peu plus délicat puisque euh, on va venir détourer cette, euh, cette jeune fille donc pour détourer on va utiliser l'outil plume on va se positionner ici vous voyez dans l'onglet tracé si vous n'avez pas les tracés d'affiché hein, vous venez dans fenêtre et vous venez cliquer sur tracé on va venir créer un nouveau tracé en cliquant sur l'icône nouveau tracé ici en bas à droite à côté de la petite poubelle et on va venir utiliser l'outil plume. Donc alors moi j'ai un conseil à vous donner hein, quand vous détourez une personne pour vous, euh, lui donner euh, pour que le détourage soit beaucoup plus propre, il, il faudrait vraiment mordre on va dire dans, dans la matière. Donc, à titre d'exemple, on va faire un premier point d'ancrage ici, un deuxième point, un troisième point. Vous voyez là, je mords vraiment dans le tissu parce que si je mords euh, dans le bah, dans le fond, bah, je vais détourer un petit peu, un petit peu du fond et du coup, euh, bah, on verra, euh, on verra une couleur beaucoup plus claire lors du détourage. Donc, ce ne sera pas génial. Donc, on ne va pas utiliser les tangentes de, euh, de Photoshop. Euh, parce que là c'est pas vraiment un tuto lié au détourage, euh, j'aurais très bien pu vous apprendre à utiliser l'outil plume, ça c'est prévu dans un autre tuto. Donc à chaque fois qu'on crée un point d'ancrage, on appuie sur Alt sur le point qu'on vient de créer, vous voyez ici, tac. et puis on va venir tout simplement détourer comme ceci. On fait un point, un deuxième point, on a juste à venir bouger notre plume de droite à gauche pour euh, lui donner une direction. Donc, les points, les tangentes sont, peuvent être utiles, très utiles, même lors de détourages complexes. Euh, faut savoir que j'utilise pas forcément euh, ces, ces tangentes. Après, c'est l'habitude aussi, hein, de, d'avoir, euh, d'essayer d'avoir une courbe parfaite sans, sans forcément les utiliser. On va venir repositionner le calque 1 au premier plan. Voilà. Et comme tout à l'heure, on se repositionne sur le calque texte, on lui applique un masque, et puis on vient refaire un contrôle, un commande clic sur le calque 1, et euh, on va remplir, on va intervertir la sélection et remplir le masque de noir. Alors, on vient se positionner sur le masque, on, on appuie sur les touches de son clavier Ctrl ou Commande, Shift et I pour intervertir la sélection, et puis on vient remplir notre masque de noir. Et comme tout à l'heure, on se positionne sur le calque 1. On vient euh, cliquer sur calque. On vient cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Et voilà, comme tout à l'heure, on a notre effet qui est euh, assez sympathique, mais qui ne se voit pas trop. Donc on va pouvoir lui donner un mode de fusion au calque texte. On se positionne dessus. Et là, on va lui mettre une euh, lumière tamisée ou une ou une incrustation mais je pense que la lumière tamisée sera mieux voilà donc là il se passe pas grand chose du fait qu'on a quand même un, un fond qui est assez sombre on aurait pu lui mettre quelque chose d'un peu plus clair donc à la limite au niveau de la couleur de premier plan euh, ouais au niveau de la couleur de premier plan qui doit être la plus claire on peut essayer d'augmenter un peu plus les valeurs histoire de refaire vous voyez un un fond un peu plus euh, bah, un peu plus clair tout simplement au niveau de la valeur noire on peut peut-être l'augmenter un petit peu aussi c'était peut-être un peu trop noir tout ça donc là du coup on est plus euh, c'est plus assez noir je trouve ouais, je pense que ouais, là on va on est pas mal, quelque chose de comme ça. Donc là, c'est vrai que euh, on voit pas encore grand grand chose. On va pouvoir augmenter euh, tout ce qui est luminosité et contraste avec euh, avec Camera Raw, mais déjà on voit que l'effet est assez sympathique. Et encore, comme tout à l'heure, on peut venir se repositionner sur le calque et augmenter bah, de temps en temps la fonte. Pour donner des petits effets 25 ici on peut se mettre en 20 ici on peut même venir diminuer de temps en temps aussi la police et l'augmenter voilà donc on ne va pas le faire sur tout le document, mais c'est pour vous montrer bah, que l'effet peut être aussi sympa sur, sur un visage. Donc si vous... Évitez d'augmenter non aussi trop euh, enfin, de prendre plusieurs groupes de mots et de les augmenter d'un coup, parce que ça fait un peu bizarre. Enfin bon, on va en faire euh, que deux, encore deux ou trois, et puis après on va arrêter. Ici, je vais essayer de le mettre. À 30. Et, euh, et puis sur le menton, par exemple, on va se mettre en 40, voir. Voilà. C'était peut-être pas terrible en 40. On va se mettre en 25. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut se repositionner sur le calque 1 et appuyer sur Commande, Alt, SHIFT et E ou CTRL, Alt, SHIFT et E pour venir tout simplement fusionner tous les calques que l'on a créés en un nouveau calque ici. Donc là l'intérêt c'est qu'on garde tous les calques créés en amont, au cas où hein, si on se gourre dans les prochaines manip. Ici on peut venir cliquer sur filtre et puis sur caméra Raw et on peut venir augmenter l'exposition légèrement de la composition. On peut venir contraster un petit peu plus si on veut aussi, ou au contraire hein, enlever un peu plus de contraste. Et là vous voyez au niveau des tons clairs, on peut venir augmenter encore légèrement. Les tons foncés, on peut soit les foncer encore plus. Les tons ici blancs, bon, on peut venir. Pareil, les augmenter un petit peu. Et bah, les tons les plus noirs, soit on les, euh, on les baisse, soit aussi on les augmente. Ça dépend hein, après de l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez mettre une température, donc hein, une couleur un peu plus sépia, vous pouvez aussi, en augmentant légèrement la température, au contraire, hein, jouer, vous voyez, sur, euh, sur les couleurs. C'est vous qui voyez. Au niveau de la teinte aussi. Hein plutôt dans les tons chauds, dans les tons verts, à vous de voir. On peut augmenter la teinte, la température, la mettre à 5 par exemple, et faire OK. Donc là vous voyez on a quelque chose de beaucoup plus, euh, plus sympa, de plus graphique. Et après maintenant libre à vous de euh, repaufiner tout ça, par exemple en se, reposition, en se repositionnant sur le calque 1, en faisant commande ou contrôle A pour tout sélectionner, contrôle c ou Commande V pour copier. Commande C ou CTRL C pour copier, Commande V ou CTRL V pour coller. Et là, par exemple, se repositionner à peu près. Normalement, il y a un magnétisme, hein. on ne peut pas se tromper. Voilà, sur le calque. Que, euh, sur notre calque ici 1. Hein. Et puis, pourquoi pas, recréer un masque en appuyant sur Alt pour le remplir de noir. Ici, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'outil. Penseau. Prendre une forme, on va dire diffuse, se mettre en blanc. Donc vous vous rappelez, hein, on appuie sur X ici pour intervertir l'arrière-plan du premier plan. Et vous voyez, si vous voulez donner des petits effets, par exemple sur les contours, pour redonner un petit peu de, de texture hein, au, à la composition, bah, ça peut être intéressant avec les masques éviter hein, dans les zones euh, sur les zones de peau de rajouter de la texture voilà sur les cheveux ça marche très bien et par exemple hein, à certains endroits du euh, du vêtement de la jeune fille n'hésitez pas à baisser un petit peu aussi le l'opacité du pinceau voilà pour donner ce, ce genre d'effet après si vous voulez euh, bah, qu'on voit un peu plus les yeux on baisse un peu la forme du pinceau puis on peut redonner quelques petits coups de, de clic et si on veut voir bah, vraiment la pupille bon, ça fait peut-être un peu bizarre là mais bon vous voyez que euh, on, est, euh, on est vraiment libre de, de faire ce que l'on veut avec, euh, bah, avec photoshop Là pareil, si on veut donner un peu plus de volume, eh bien on n'hésite pas à repasser sur les cheveux comme ceci. Et puis ben, si on mord un petit peu dans le blanc, ici, ben, ce n'est pas grave, on appuie sur X pour se mettre en noir en premier plan. Et puis, on fait attention de bien se mettre sur le masque. Et on repasse par-dessus. Voilà. On peut venir maintenant récupérer si on veut notre euh, texture ici. On la fait glisser. On peut l'augmenter en appuyant sur Shift et la positionner comme ceci pour qu'elle occupe tout, euh, tout l'espace euh, de notre document. Et après jouer avec les modes de fusion. Soit se mettre en lumière tamisée ou en incrustation. Je préférerais le mode incrustation. Pourquoi pas baisser un petit peu son opacité Recréer, par exemple, un masque. Reprendre l'outil pinceau. On augmente le diamètre. Et puis, on vient gommer quand même. On vient repasser sur la jeune fille. Hein. Là, l'idée, c'est d'apporter un peu plus de chaleur vu qu'on est dans des tons sépia. Voilà. On peut venir repasser dessus un petit peu aussi puisqu'on est en opacité à 16%. Donc voilà. Et puis euh... après, si vous trouvez que c'est peut-être un peu trop, euh... un peu trop visible au niveau de sa chevelure, bah, pourquoi pas redonner des petits coups. À droite, à gauche. Donc là, moi, ça me paraît, ça me paraît pas mal. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très bien. Et puis, euh, au niveau ben, du texte, hein, on peut faire quelque chose aussi sympa. Par exemple, cliquer. Donc on va pas cliquer n'importe où dans le document, puisqu'on va venir récupérer, sinon, la sélection de, de, ce, de du calque texte. Mais on va venir se positionner vraiment à l'extérieur de notre composition pour pas cibler le calque texte et puis elle nous empêche de venir taper effet de typographie par exemple donc là ça se voit pas mais on vient le mettre ici donc on peut le laisser en blanc on peut lui mettre une police un peu plus grasse se mettre en capital oui on augmente tout ça et puis, rien ne nous empêche de l'étirer un petit peu plus aussi. Et en dessous, on, pour dupliquer un calque, on fait Alt et Shift pour rester droit. Vous voyez, tac. Et en dessous, euh, on peut mettre euh, Illustrer. Je mets n'importe quoi, hein, faux portrait. Voilà. Et ça, jouer avec la graisse, lui mettre une graisse un peu plus petite. Voilà, en 35, ça me paraît bien. On va venir se caler par rapport à effet de typographie. Comme ceci. Et puis là, vous voyez qu'on peut placer ça un peu n'importe où. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi se remettre en euh, incrustation plutôt. Pour voilà, donner un petit effet euh, sympathique à notre typo. Si euh, vous voulez assombrir un peu plus les ombres, hein, les coins, maintenant vous savez faire, si vous suivez les tutos, un effet de vignettage. Donc pourquoi pas se replacer en premier plan, appuyer sur CTRL, ALT, SHIFT et E pour refusionner tout ça et refaire filtre, euh, correction de l'objectif. Voilà, puis on vient augmenter la quantité d'assombrissement des angles. On fait OK. Là, vous voyez, ça, c'est un petit peu assombri. Et si vous voulez encore jouer avec Camera Raw, maintenant, vous pouvez encore recliquer sur Filtre Camera Raw pour rechanger, si vous voulez, la température ou même avec les, euh, les teintes. Euh, vous pouvez faire ça, créer un calque de réglage. Si vous voulez rejouer avec l'exposition, libre à vous. Avec le contraste. Les tons clairs, si vous voulez encore plus booster tout ça. Les tons foncés, si vous voulez les augmenter. Les blancs aussi. Voilà, les noirs, etc. etc. Voilà, on peut se retrouver quand même avec une, euh, une compo euh, assez sympathique. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Euh, N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, ça nous fera plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un...